encore. Là, je dois partir à la retraite, mais d'ici 10 à 15 ans, je devrais pouvoir partir à la retraite. J'ai des appréhensions parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on ne part pas dans des améliorations. On réduit, on repousse l'âge de la retraite de plus en plus. D'ici 15 ans, je ne sais pas à quel âge je pourrais prendre ma retraite. Donc oui, c'est un peu angoissant, bien sûr. Ça m'intéresse, oui, je suis concernée, mais je me sens encore trop jeune pour parler de la retraite. Parce que nous avons à cœur le bien-être de nos collaborateurs, nous avons organisé un forum social, c'est-à-dire que nous avons fait venir les organismes sociaux afin que nos collaborateurs puissent venir échanger directement avec eux. Donc ces partenaires sont aujourd'hui sur le magasin, et notamment les partenaires de la retraite et notre complémentaire retraite Humanis. Dans un premier temps, je vais vraiment étudier sa carrière, voir si déjà il y a des trous de carrière. Je lui explique aussi le fonctionnement de la retraite en France. S'il a différents régimes, je lui explique effectivement le fonctionnement et le mode de calcul pour chacun de ces régimes. Si on a une personne qui nous dit qu'elle veut changer de parcours professionnel ou par exemple qu'elle veut cesser son activité, on doit être aussi en mesure de lui dire que cela a un impact sur le montant de sa retraite. Et on a un outil communautaire qui s'appelle le simulateur Marel qui permet en fait de faire des simulations en direct et de leur communiquer l'impact effectivement sur le montant.